Le quartier des oignons. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Ah voilà. Purifier les sacs de grains, on est tout dit. Tuer 12 râles vampires en moins de 90 secondes. Donc j'imagine ça va dire qu'il va y en avoir plein d'arandins en une fois. Sûrement. Tuer l'accroche-faux et tuer Clacos. Très bien. I am ready with my power. With your power. Je voulais regarder. Non. C'est un foudroyeur. Ouais, je vais voir s'il y avait un autre tome un peu mieux, mais. Welcome to the Onion Quarter. Let me show you the sights. To your left, you can see the magnificent slum inhabited by the deprived workers who built the city with their sweat and blood. Is that what you're fighting for, Victor? Ah, Victor! We are fighting! Ah, ils arrêtent pas de partir de partout là. Ils se déplacent vite, hein. Ouais, ils se déplacent vite. Moi, j'ai du mal à leur tirer dessus, du coup. J'ai l'impression d'être un ninja qui lance des shurikens. C'est un peu ça. Mais oui, il nous faut du Thrall vampire. Ouais. On a plus que 20 secondes. Vivant. Peut-être pas par là alors. Genre, tu m'attends même pas. 20 secondes. 20 secondes. Et tu veux que je t'attende? Oui, mais on sait pas où est-ce qu'ils sont. Là. Ah non, c'est un Thrall bestial. Masse. Là, ils sont. Là, ils sont. Là, ils sont. Ils sont là. 4 secondes, on va jamais y arriver. C'est bon! On l'a fait? Oui! Oui, tu m'entends pas! Bon. Ah, c'est pas très sympathique! Fallait les trouver quoi! Bah oui! Bah ils étaient pas là, on était en tout cas! Moi je pensais déjà, j'ai pas vu que c'était écrit là, je pensais que c'était. Moi je veux bien genre, qu'on les trouve, mais tu m'attends! Moi je pensais que c'était 90 secondes à partir du moment où. Ah non, mais il y avait un chrono depuis le début! Ah, mais j'ai pas et c'est à partir du moment où on les a tués, on en a tué un dès le début en fait. Ah, j'avais pas vu. Il y a des donjons dans le donjon. Y'a plus de limite. Vivant. Ta 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 ta. Hop. Ah oui, c'est leur pouvoir spécial en fait d'être furtif. Voilà, viens dans mon rayon mortuaire. Mortuaire. Yes, I am so. So mortuaire. You have the big big rayon. J'ai trouvé mon pouvoir ultime. C'est toi qui les rapproche? Ouais. Mais c'est bien ça! Ouais, j'aime! Ça leur faire des combos ça avec ça! Yep! Hey mec, t'arrêtes de me taper derrière! Boum! Très bien. Bon, du coup, ça c'est une grosse map à part entière en vrai. Bah ouais. Bah, c'est le quartier des oignons. C'est quand même le quartier des oignons. On va peut-être repasser par là-bas. Oh, il y a un truc à purifier. Purifions. En fait, c'est juste des araignées à écraser quoi. C'est ça. Moi, je pensais que c'était des gros trucs et tout. C'est que c'était la fin du monde quoi, globalement. Tu touches le sac de blé et puis ouais. Là d'un coup, bam. C'est quoi nos petits signes 5, 4. Ah, c'est le nombre de morts. Non, je crois que c'est des pouvoirs arcaniques. Il s'est foutu de notre gueule, non? Oui, oui, là il danse. Là, ils sont en mode. Haha! Un fou mort-vivant! Ha 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 ha!
Hey. Hey, I saw something. Quickly, up the hill. Au sommet de la colline? Où est-ce qu'il voit une colline, lui? 10 contre 1 que ça va être une blague. Oui, très probablement. J'aime bien envoyer des étoiles. Ça te fait plaisir? Ouais, c'est pas si mal. C'est le principal. Pourtant, c'est de s'épanouir dans son métier. On envoie tous les deux des trucs. Sauf que moi, c'est violet ce que j'envoie. C'est vrai. Voilà, voilà. Puis ça touche pas les... Enfin, ça touche pas l'adversaire aussi. Mais... Ah, tu m'as lancé sur le violet, hein. Tu savais avec quoi tu t'engageais. Je suis en train de faire des câlins avec un squelette, j'envoie un autre volet là-bas. Des câlins? Tout va bien. Il y a un coup de marteau. T'as fini de mourir, toi? Enfin, t'as fini de mourir. Est-ce que tu as fini de mourir? Vis un peu. Est-ce que t'as fini de vivre, pardon? Ah bah oui. Faut vraiment que j'arrête de regarder ton perso, parfois. Je sais qu'il est beau. Je sais qu'il est attachant. Moi, j'aime bien quand tu les réunis. C'est de la beauté. Ah, mais tu peux le faire souvent en plus. Bah, par moment, je peux faire plein de fois et d'un coup, je peux plus le faire, je sais pas. Ah, mais. Il est robuste, hein. Voilà. Ah, il a un soin post-mortem. Enfin, je crois. Sûrement. Et donc, le quartier des oignons, ce serait pas plutôt le quartier des... Des squelettes, ce que tu veux. Just an undead. It is difficult to distinguish the starved citizens of the onion quarter from walking skeletons. Voilà, Clacos. Rayon solaire commun. Ça suffit, monsieur. Reviens là. Il nous fuit, le saligo. Alors... C'est pas mal tout ça. Ta-ta-ta-ta. Qui c'est qui a gagné? Bien vu. C'est tellement rare. Où est-ce qu'on va? On va débloquer un nouveau lieu, visiblement. Yay. Oh, oula, oula, oula. Bah alors. Merde. Qui n'est pas le lieu dans lequel on va aller, mais bon, c'est pas grave. Les tiriers au murmure. Tu veux me murmurer à l'oreille? Oh oui. Pas bien. C'est interdit. Oh, un coffre. Oh. Eh bah, un coffre. Hein. Je veux le coffre. Ça m'a fait peur. Oui. Si jamais vous n'avez pas identifié ce bruit, c'est normal. C'est un chien. Qui tousse. Qui tousse. Qui fait... Je sais pas comment on y va. Ça s'ouvre pas, ça, non? Je sais pas. Au fait, ah, niveau oui 18, plus 300 de santé. Yay! Yow! Des potions de soins, coffre mystère. Bah, je vais prendre les potions de soins, tiens. C'est vrai qu'ils en utilisent plus souvent là. Changer un 45 peu. 45! Eh, j'en ai 35, quand est-ce qu'on lui autant? Ah. Bah, moi, je vais prendre le coffre mystère. Hein. Vas-y. J'y crois jusqu'au bout à mon fusil. Tu sais que tu peux en acheter un, sinon, à Géraldine. Ouais. Ouais, mais acheter. Je préfère me plaindre. Non, mais acheter, c'est pour les pauvres, quoi. Un mortier. Oh, ah, c'est fini les fusils, maintenant c'est les mortiers, c'est ça? C'est ça. Et si je dis non?
Bah, tu l'auras dit. Non, voilà, c'est dit, hein, c'est bien. C'est une opinion qu'on respecte. Ah, bah, on est juste à côté de l'endroit où on va aller, en fait. Excellent. Ah bah, c'est grâce à moi, tout ça. C'est vrai. Clairement. Donc, je te dis pas assez, je pense. C'est grâce à toi, tout ça. Ah, merci, merci. C'est grâce à toi. Je sais, je sais. Je suis tellement exceptionnel. Tu l'as aimé, ça. Bah, je me suis dit, je vais rentabiliser ton coup. Ça va être plutôt bon. Et nous, on est là pour le spectacle avant tout. Pas là pour sauver le monde, non. On est là pour le spectacle. Quel pestacle. Oh, il est là. Ah, bonjour. Twixt night and morn, upon the horizon's verge. The ghostly Tsar found his death here. I wonder what you'll find. Tu crois que c'est là-dedans qu'il est mort? Peut-être. Ah bah... C'était attends. Notre objectif en tout cas d'aller là où... Ah oui, pardon, ici. La chapelle profanée. Elle a brûlé la pauvre. Alors, tu es l'archiviste en moins de 45 secondes sans utiliser ni potion, ni pouvoir démoniaque. Ensuite, inactif. Infliger une dévastation à 5 spectres. Ça va aller. Ah oui, ça va. Ah, tu es la cabinité vociférante en moins de 360 secondes. Bon, l'archiviste. On se concentre sur le putain d'archiviste. Où est-il? C'est pas un archiviste, ça. C'est vrai. Après, la durée max du défi, c'est... C'est uniquement pour les autres, j'ai l'impression. D'accord. L'archiviste, ça doit être un boss. Ce sera pas du moment où on sera dedans, j'imagine. Ok, donc ça va. Ça va, on va s'en parler. Ça va, ouais. Faudra qu'on trouve les autres à un moment donné, mais... Pire, c'est un coffre, quoi. Voilà. Je veux dire, là, on est tellement bien... Que bon... Ouais, pas si mal. Pour le moment... À une ou deux erreurs près, la difficulté, elle est un peu en DLC, quoi. Bon, voilà. Oh. C'est dit. Bah, j'en profite. Je me la ramène tant qu'on est au début du jeu, tu vois. Hein? Temps écoulé. Ah non, t'avais raison, c'est juste que c'est pas marqué. J'avais raison. Mais pourquoi c'est pas marqué? C'est mal fait, ça. Parce qu'il y a écrit durée max du défi, et pas durée minimum. Non, ça, ça a rien à voir. C'est le temps que t'as pour faire le défi. Mais... Mais ils en marquent un seul apparemment. Ouais, et je pense qu'ils marquent le plus long. Ah ? Et ils marquent donc le plus long. Oui, mais c'est débile, ils devraient marquer le plus court. C'est vrai. Ils devraient marquer les deux en vrai, hein, de toute façon, mais... Bah déjà, l'archiviste en même temps, il est pas juste là. C'est vrai. L'archiviste, ça se trouve, il est juste au bout du couloir, là, on avait juste allé jusque là. Et voilà. C'est ça. Ah non, c'est le champion faucheur, ça. Chantez. J'ai envie de faire votre connaissance. Bon, il va falloir arrêter avec GoldenEye, là. GoldenEye. Il est où? Il est là. Je me suis soigné un peu et j'ai bien fait. Fais-toi plaisir. C'est le principal. Où c'est qu'il est? Le petit saligoyo. Tue-le! Tue-le! J'y arrive même pas! Tue-le! J'appuie pas sur le bon bouton! Yaaaaaah! Encore un mortier! Bah, je crois flamme que pas purificatrice. Le choix. Voilà. Oui, je pensais aussi qu'on pouvait interagir avec, mais non, ça a pas l'air. Bah, je sais vraiment pas où est-ce qu'il est l'archiviste. Hein. Qui sait? Internet, c'est par exemple. On peut pas aller là-bas. Mais ça... On est en train de se faire... Oh, il y avait écrit tirer la boue. Cle, tirer la bougie. Uh-huh. Ah, tirer la bougie. Voilà. Qu'il y a de la vie pas loin. Aucune sorte d'idée. Oh bah je vais prendre... Et des gargouilles, si jamais tu veux. Non mais c'est pas de la vie ça.
Fait chaud. Hein. Mais non. Que des ennemis de feu là. Yay. Magnifique. Pour l'instant, l'archiviste is nowhere to find. Allons voir ce fiche, petit passage qui sent la noisette. Oui, j'ai vu tirer la boucle ou je sais pas quoi. La bougie. Ah, la bougie, pardon. La boucle. Tirons la boucle. Ah, tu l'as envoyé, j'ai vu mon machin. Un coffre. Oui. Je me demande ce qui va se passer quand on va l'ouvrir. Une rapière dévastatrice du chanceux. Enfin, quand on l'ouvre, on gagne de l'XP. Il y a un petit cooldown comme ça, puis au bout d'un moment on gagne de l'XP. Il y a des Gangnam Style. Yeah. Oh merde, ils m'ont fait danser. J'arrivais pas à utiliser mon sort. Où suis-je? Je ne me vois pas. Je danse. Je ne veux pas danser. Au secours. Danse, danse. Moi aussi, je danse. Ah la beauté. Oh, j'avais tellement plus de vie, j'avais pas vu en plus à cause d'eux. Ah ben ce sont de très bons adversaires, très adorables. Ils m'ont obligé à danser. Pour eux, comme leur biatch. Ils ont fait vas-y, vas-y danse. Gangnam Style. Yay. Bon, je pense que l'autre défi on l'aura pas non plus. Oh. Ouais, à 50 secondes on sait même pas où est-ce qu'ils sont. Si encore c'était les danseurs, je dis pas. On n'a pas été là-dedans. Ah ben on peut pas. Pas par là en tout cas. Mais c'est ce chemin-là. C'est le chemin qui sent la fumée. C'est un peu ça. Oh, ils attendaient que je sois là, ils sont mignons. Reviens là! Je sais plus s'il faut qu'on tue dans le temps limité. Hop, hein. Je sais pas, mais à 5 secondes. Voilà quoi. C'était la calamité vociférante. J'ai cru que c'était dévorante ou un truc du genre. Non, voilà. Et voilà. Yay. Ok. À faire sauter, je crois. Wouh. Wout wout. Assassin de la police. Wout wout. J'ai des fantômes que je vois parfois. Ouais, moi aussi. On peut. Ah, Boromir. Borimir. Ah oui. Otto, chanté. I sense the taint. The demon powers, even in you, do not come any further. Comment ça, en moi aussi? Bon, après, c'est vrai qu'on utilise des pouvoirs démoniaques. Hein. I shall suffer you no more abominations. Your foul taint has tarnished my city for too long. Bah, Borimir. Avant, il était en mode oui, je raconte n'importe quoi. Maintenant, il est menaçant. Pas le prendre comme ça. Mais il le prend mal tout ça. Reviens là. Tuer les spectres qui hantent le lieu où repose le tsar. Ah, c'est le premier chasseur. Ah. Ah oui. Roi oublié menaçant. Voilà. Et non, il est pas toi, non? Non, 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 je fais pas les deux en même temps. Bah. Ah, je saigne! Ah non! C'est bon, je me suis soigné.
La calamité vociférante est là. Bonjour, enchanté. Oh my god. Il y a un truc de soin en haut. Oui, oui, pour l'instant ça va encore. Chut. Chut. Ça veut dire qu'on lui a fait chute. Ça se trouve, on va tuer en moins de 45 secondes. Non, en moins de je sais pas combien de secondes. On a déjà loupé le défi quoi qu'il arrive. C'était marqué. C'est bon. Ouh. Là. Money, so much money. Et nos autres stuff. Aucun souci. Qu'est-ce qu'il y a de bon à nous dire? Tainted Hunter. I am Zar Boromir, the first hunter. I had sworn to fight the demons in our world. It was I who built Zagoravia and established the Hunter's Order to guard a secret that could destroy us all. I built this city to hide and seal the Well of Worlds, a gateway to countless worlds beyond ours, populated by demons and cosmic horrors beyond imagination and comprehension. For generations, my legacy has been passed down the royal lineage of Zagoravia. In time, my own kin forgot my words and the purpose given to them. And now, now, one of my own blood has sealed a dark pact with the very forces I had sworn to fight. But who are you? I sense the demon taint within you. Flee and do not turn back, for the Well of Worlds will corrupt your thoughts and tempt your heart. I've been running away all my life. It's my time to stand and fight. Oops. Once upon a time, there was a prosperous kingdom. Its citizens enjoyed a life of wealth, luxury, and knowledge. Until its greedy neighbors joined forces in a vile plot. Three armies surrounded the city and its fall was inevitable. The young prince, heir to the throne, was willing to do anything and everything to save the kingdom. C'était Victor. In J'en suis sûr. Desperate hour, an old man whispered to him. Open yourself to powers beyond this world, for this world has forsaken you. Seal your fate, my prince. Those words burned the mind of the prince as fire. He took the power he was offered and fought like a demon, summoning lightning from the sky. Il y avait la même dans le film là, Dracula, le dernier. C'est vrai, c'est vrai. Great power always comes at a great price. With great power comes great responsibility. A dit tonton un jour. His father died of an illness unseen. On voit tellement que c'est lui. Avec ce regard vide. Vide. Littéralement vide. Particulièrement invisible. Staying in one place for long, lest his curse catches up with him. Oh là là. Mais quel personnage ténébreux. Victor Vran. C'est le good guy ténébreux. I understand how you became tainted hunter. Your past mistakes may be attributed to the foolishness of youth. But are you any wiser now? Can you face demons and keep your hunter's word? I'm far past amends and redemption, but my heart is true. What must be done to break a demon pact? There is a way. You must find the physical object that embodies the deal. Destroy it, and the contract is void. The trouble is, this pact Évidemment. Lies in the demon world.
Point me towards the gate to the demon world, Boromir. Tell me where to find the Well of Worlds. On sait déjà, nous, on peut se téléporter là-bas. Hein, mais... I will reveal the location of the well to you, Hunter. Et pas dans l'immédiat. Oh bah mince alors. If you aim to release Zagaravia from its curse in the demon world, then I suggest you make sure there is a city left when you return. There are several demons currently in Zagaravia of immense power. Each one of them has the potential to annihilate the city and all survivors. I beseech you to defeat these monstrosities first. Return victorious, and I will entrust you with the secret of the Well of Worlds. Didn't you like yes, that chap my lord. Better when he recited nonsensical poetry to you? Tad too arrogant for a thousand-year-old corpse, I would say. Oh. Oh, cool. Hey, merci. Yeah. Il ne manquait pas des parties à faire, je sais plus. Trouver et tuer Mordra, la mère des couvées. Donc là, j'imagine qu'on va aller dans plein de donjons différents pour battre les boss associés. A priori, ouais, faut qu'on nettoie un là, peu. Là, ça va être un peu les hunts. Bon, moi, c'est un peu supernatural. On va faire du tri. C'est dommage qu'on puisse pas faire chacun du tri de son côté. C'est vrai. Ça ferait permettre de gagner du temps. Mais en tout cas, on va pas le faire de votre côté parce qu'on se retrouve pour une prochaine session de Victor Vran. Je suis d'accord. On va aller chercher Mordra, la mère des couvées. C'est un beau titre. C'est pas moi. Je suis la mère des couvées. Oh, bon, c'est une bon, araignée, bon. Je suis sûr que c'est une araignée. Bien sûr que c'est une araignée. Mais bien entendu que c'est une araignée, quoi. Bon, je veux dire. Prochaine session, Mordra et un inventaire un peu plus vite que ça. Des bisous.